Les 73-51 des stations fréquences de la part de Dindy 33 depuis la rocade de Libourne. Il y a de la propague. Il y a du monde un peu partout, on a MFM, BLU. Oh, j'ai reconnu celui-là. Bon, bon, on sait de quel côté la propague. Attention, Billy de 4, Billy de 4 pour Dandy 33 qui t'appelle depuis la Nationale 89. Oui, les 73 à station, j'ai pas eu le temps de comprendre le QRZ. Nono 33, je suis pas sûr d'avoir compris. Ah, excuse-moi, j'ai un petit peu de mal à te sortir de mon côté. Bon, je vais monter un peu plus le volume. Donc les 73-51 de Dindy 33 là, en ce moment là en mobile sur la Nationale 89. Je sors juste là de la rocade de Libourne. Et je suis en train de passer, je suis en train d'arriver à la hauteur de la sortie 8 à Arvers. Ok, bien compris. Écoute, moi je suis dans les terres à hauteur de la 6. Dans les terres, à la hauteur de la 6. De la sortie 6, tu veux dire, de ce côté-là? Absolument, oui, mais à l'intérieur des terres. Ok, d'accord. Ah ben donc, je vais dans ta direction, quoi, puisque là, je m'en vais directement vers Bordeaux. Sans problème, tu vas passer à la plante, tu vas passer chez moi vers environ 2 km. Oh oui, pas plus, puisque... Ah ça y est, il y a un radar fixe là, ça y est, tout le monde freine. Oh putain, j'hallucine. On arrive, je suis pas loin d'arriver à la hauteur là, du radar automatique là, qui est juste avant la sortie 7. Et là, on roule à combien? À 90. Alors que c'est 110. Ah non, mais c'est le problème, ça roule à 130 et puis juste quand ça arrive sur le radar, ça roule à 80. Là, t'es gentil, là, en disant 130, hein, parce que j'en vois, ils sont plutôt au-dessus de 150, même. Hein. Ah oui, c'est pas tout à fait ce qu'ils vont faire, surtout dans ce coin-là. Tiens, tu me fais penser à un article, justement, que j'ai vu, voilà, je suis en train de passer au niveau de la 117. Hein. Tu me fais penser à un article que j'ai vu, là, récemment, là, sur Internet. La marque Dacia va volontairement brider toute sa gamme de véhicules à 180 au maximum. Paraît-il qu'il y a d'autres marques qui l'ont déjà fait. Ah, je suis un peu étonné, quoi. Ça va pas plaire à certains, ça. Ah, je suis trois coups. Ah, j'ai jamais entendu ça, mais effectivement, bon, c'est sûr qu'ils vont tous y être, hein, parce qu'à force de se faire piéger, tu vas voir. Ah oui, c'est sûr. Déjà, 180, c'est déjà plus que raisonnable. Bon, ça permet d'avoir un peu plus de pêche sous le pied quand il s'agit de doubler, quoi, on va dire. Mais bon, c'est grandement suffisant. Hein. Quand je vois des voitures qui montent à plus de 200 et tout, ça sert à quoi? Ça sert à rien, quoi. C'est un argument de vente. Voilà, c'est tout. Hein. C'est comme ce que l'on voit du côté des antennes CBI. Avec des puissances phénoménales dont on n'a absolument pas besoin d'autant de puissance. Mais écoute, moi j'en manque un peu parce que j'ai inserté 7009 en fixe. Alors normalement c'est un mobile, mais comme j'ai arrêté de rouler, donc j'allais monter en fixe. Et le problème c'est mon antenne qui n'est peut-être pas assez puissante. Parce que là tu dois passer à hauteur de la 6 si tu n'y es pas déjà passé. Et je suis sur ta gauche, vu le sens de circulation, du côté de Salbeuf. Ok, oui, j'arrive effectivement sur la 6, j'ai regardé le signal, j'ai pas mis mes lunettes, mais bon, tu vas m'arriver à un bon santé coup neuf. Ah pardon, j'ai pas compris, je t'arrive, hein? Ouais, tu m'arrives à un bon santé coup neuf, là si j'ai bien vu, vu que j'ai pas mis mes lunettes. Tu comprends? Ok, bon, ben là si tu me regardes ton QRZ, là ça devrait bien passer, là. Alors, mon QRZ, c'est Huguenot 33.
Ah, tu m'étonnes que je n'arrivais pas à le comprendre. Un QRZ tordu comme ça, c'est sûr qu'il vaut mieux bien l'entendre. Huguenot 33, d'accord, ok. Voilà, si tu veux, avant c'était Parpaillot, mais bon, Huguenot c'est quand même plus français. Oh, Parpaillot, c'est pas mal aussi, ça sonne bien aux oreilles. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est un copain qui m'avait dit pourquoi t'as pas pris Parpaillot plutôt qu'Huguenot, mais bon, c'est comme ça. Oui, non, mais on choisit son QRZ suivant ce que l'on aime, puis ainsi de suite. Comme moi, bon, j'ai pris Dandy parce que bon, j'aime bien le côté voyage. Hélas, j'ai pas la chance, j'ai pas les finances de pouvoir voyager. J'aime bien l'Australie, tout ça. Donc, j'ai pris ce QRZ en rapport à tout ça, quoi. Eh bien sûr, mais dis-moi, tu es en 1000 pattes ou en push là? Non, là je suis en push, et autrement je suis en fixe sur Sainte-Colombe, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Ah, je suis sûr qu'on s'est déjà parlé, parce que Sainte-Colombe et ta voix me parlent. Ah, ou peut-être aussi sur Internet, parce que bon, je fais quelques trucs sur Internet pour la Sibie aussi. D'accord, effectivement, si je veux que ce soit là aussi, mais là, moi j'avais arrêté de moduler parce que je suis à la retraite, et donc j'avais déséquipé... C'est cool ça, d'avoir quelqu'un qui connaît pas comme ça. Je viens de remettre la poste dans le push, et j'ai gardé l'autre voix en fixe. Ok, d'accord. Ben, sur Internet, tu connais peut-être le forum la planète Sibie francophone. La planète? Et non. La planète Sibie francophone. La planète Sibie francophone. Tu as, dans tes recherches sur Internet, peut-être que tu es déjà tombé dessus. Alors, je vais te dire, je pense que oui, parce que il y a des tableaux, non, de fréquences sur ce site. Ah ben c'est justement mon forum, H3Coup. Oui, oui, il est très très rempli, il y a tout ça, et bien plus encore. Oui, c'est ça, j'avais été récupéré parce que là, le CRT 7009, il est sur 4.sup et 3.inf. Alors j'avais été chercher les fréquences parce que j'étais pas encore habitué justement aux fréquences, moi c'était plutôt les canons que je connaissais bien. Eh oui, je suis bien d'accord avec toi. Et, au QRA, ben, j'ai deux postes, hein, du coup, au QRA. J'ai un Yasu FT450 AT et le 7009, justement, qui est posé dessus. Et là, dans la voiture, là, je suis avec le Lincoln 2+. Et perso, je préfère le Lincoln 2+, au niveau du push, car justement, il a le double affichage canot-fréquence. Et c'est vrai que perso, je préfère parler en canot. Alors moi aussi, et figure-toi que j'ai découvert, parce que je l'ai acheté, enfin je l'ai depuis un moment, ce CRT, et j'ai découvert qu'il y avait effectivement une combinaison de touches pour passer de canon à fréquence. Alors je te dis pas, je m'en prive pas. Bon, c'est vrai que le 7009 en affichage canot, il est un petit peu capricieux. Du coup, je l'ai gardé en affichage de fréquence. Au fait, je fais aussi pas mal de vidéos reportages, trucs comme ça pour promouvoir, redynamiser la Sibie. Est-ce que ça te dérange là que je fasse une vidéo là en ce moment? Attends, je commence à te faire, moi j'ai pas tout compris. Ok, je suis en train d'arriver sur l'article. Hein. Ouais, je disais que je fais en même temps des vidéos, reportages, trucs comme ça, là, pour promouvoir, redynamiser la Sibie. Est-ce que ça te dérange que là j'en fasse une? Non, pourquoi? Je suis en train de te perdre. Ok, j'ai compris. Non, pourquoi? Il n'y a pas de problème. Donc, c'est dans la boîte. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis en train d'arriver là sur Artigues. Donc, merci pour l'autorisation. Voilà, je suis en train d'arriver sur Artigues. Pour l'instant, ça roule encore. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis en train de te perdre. Il y a pas mal de monde derrière. Il y a pas mal d'étrangers qui passent. Ouais, ça commence à ralentir là du côté d'Artigues. Ok, je vais te laisser parce que là je suis vraiment en train de te perdre moi aussi. Les 73-51 toi, là je m'en vais sur un stage.
Je sors du stage vers 17h, donc peut-être qu'en début de soirée, je t'aurai à nouveau en fréquence, je sais pas, on verra bien. Sinon, vu qu'il est 11h25, bon gastro pour tout à l'heure. Merci pour ces petits contacts et à plus tard. Ah oui, là ce que j'adore, c'est de tomber sur quelqu'un qui, là pour le coup de la discussion, on s'est découvert. Comment dire, sans dire de conneries. Ça va être plus dur. J'aime bien discuter avec tout le monde, au contraire, bien au contraire. Puis je discute, puis je papote avec les gens et puis je suis content. Mais quand on tombe sur quelqu'un de nouveau, quelqu'un dont on ne se connaît pas du tout l'un l'autre, eh bien il y a un petit truc en plus, on va dire. Je sens que j'ai dit une connerie là. Il y a ce côté découverte de l'un l'autre comme ça en fréquence. Qui apporte sa part d'improvisation, on va dire, voilà, c'est ça. Et c'est super, quoi. Alors, bon, est-ce qu'ils vont se mettre d'accord? Oui, voilà, c'est bon. Et 73-51, les stations fréquences de la part de Dindy de 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Alors côté circulation, c'est tout cuiron dans les deux sens. Ah, il y a de la cacophonie là sur le canal 19. Et c'est trop QRP là de mon côté. Alors si quelqu'un a répondu, les 73-51, les stations de la part de Dindy 33, voilà, de la descente du pont d'Aquitaine. Ah, j'ai entendu un bonjour, bien le bonjour, la station de la part de Dindy 33, voilà, de la descente du pont d'Aquitaine. Ah, c'est beaucoup trop QRP là de mon côté, c'est beaucoup trop petit, je suis désolé, puis là j'étais complètement perdu là sur la fin la station. Là je suis quasiment rendu en bas du pont. Hein. Là je t'ai à nouveau entendu, mais très très QRP avec des Espagnols ou Portugais, je sais pas, qui passent par-dessus. Puis en plus de ça, ça me freine devant, ça descend à 50 hein, quand c'est limité à 90, à 70, là au niveau du radar en bas. Dommage que là, ça passe pas plus fort. Hein. Vachement de propague du côté des 40 canaux. Et là, de ce côté-ci, bah. C'est curieux, c'est quand même. Et oui. Et là, en plus, je suis sur le lac de Bordeleure. Là, j'ai de l'eau tout autour de moi, là. Bah, y a pas plus que ça.
passant Yankee 33 pour Dandy 33 qui t'appelle depuis la rocade. Oh, ça craque sur les ondes. C'est encore orageux. Attention, la pelette pour Dandy 33 qui t'appelle. Oh, il est passé où la pelette? Eh bien, c'est pas grave. Attention, Centaur 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention, nounours pour Dandy 33 qui t'appelle. Wow, l'écho, les 73-51, la station de Dandy 33 sur la rocade de Bordeaux. Je suis en train d'arriver, c'est quoi ça? C'est la sortie 9, je crois. Putain, pourtant j'y passe souvent. Ouais, ouais. Ok, d'accord, les 73-51 de Dandy 33 actuellement en mobile sur le département 33. Ben oui, je viens de le dire. Hachy, sur la rocade de Bordeaux, voilà, Bordeaux-Nord-Ouest, au nord-ouest de Bordeaux. Voilà, pour être approximatif, voilà, de ce côté-ci. Eh bien là, je suis surpris d'entendre comme ça, là, à l'autre bout, là, je ne l'ai pas vu venir, là, la propagande, là, sur le coup, au niveau des départements français. Oui, pas de problème, c'est un peu très fort, hein, sur la Meuse, il n'y a pas de problème. Et je suis dans ton groupe, là, il y a un problème, tu regarderas, c'est pas de Ok, ça marche, je regarderai ça. Là, c'est un Santiago 8-9. Ouais, un Santiago 9, là, de mon côté. Putain, j'hallucine. Hey, tu es le premier département français que j'entends, là, depuis tout à l'heure, là, que je suis sur la route. Ok, d'accord, ben, ça marche bien, et puis le micro aussi marche bien. l'écho est un petit peu trop poussé. Hein. Donc j'imagine que les stations qui sont auprès, ça doit leur faire bizarre dans les oreilles. Hachy, trois coups. Qu'est-ce que je fais, moi? Je vais où? Je sais pas trop où je vais, moi, en plus. Ouais. Allez, tiens, je vais sortir là. Non, je continue. Ouais, j'ai... Hachy. Moi, j'ai un stage là cet après-midi, là, à 13h30. Et vu qu'à chaque fois j'ai un petit peu de route et tout, je me suis dit, bah tiens, je vais aller casser la croûte du côté de Mérignac. Ça va le faire. Comme ça, après, je vais être tranquille, pas loin du stage. Ça va être nickel. Et je me suis dit, bah tiens, je vais en profiter. Moi aussi, là, je suis en train de faire une vidéo, en fait. Hein. Voilà. Alors, j'ai commencé par avoir tout à l'heure une station. C'est la première fois que je l'ai en fréquence. C'est nickel, c'est génial, c'est super. Et puis là, toi, en suivant, là, c'est tout bon, ça. Là, j'ai du QRM de mon côté, là, par contre, là, c'est un petit peu dommage. C'est, par moment, j'ai tendance à te perdre. Bon, c'est pas grave. Là, en plus de ça, là, je suis en train de sortir de la rocade. Je vais rentrer un peu dans les zones de QRM et tout ce qui s'ensuit. Alors, avant de te perdre complètement,
Et bon, 73 51 toi, merci pour le contact. Ok, j'irai voir ça là tout à l'heure sur Facebook. Et s'il y a d'autres stations fréquences derrière, avant de perdre tout le monde, les 73 51 de la part de Dandy 33, voilà, qui est en train de rentrer en plein dans les QRM de Mérignac. Ok pour ça, oh la vache! Putain, pour le coup, moi qui croyais te perdre, ben tu m'es arrivé deux fois plus fort. Ok. Bon, ben je t'ai déjà envoyé les 113-51. Ben maintenant, on va continuer à papoter, quoi. Assis et voir comment ça tient, quoi. Ben, je suis en plein, là, dans une zone de chantier. Et ce qui est étonnant, c'est que là, pour le moment, tu es le seul que j'entends, hein, au niveau des départements foncés, hein. Là, j'ai eu quelqu'un, là, deux stations là, du 33 là, tout à l'heure, dont un qui était très très QRP là, quand j'étais sur le pont d'Aquitaine. Et autrement, hors département, t'es le premier que j'attrape. Hein. Putain, la vache, quand même. Putain, je pensais pas à ce point-là, quoi. Ah oui, hein, quand la propague est là, eh bien, elle est là. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que juste avant, là, je suis allé faire un tour sur les SUP en BLU. Eh bien, c'est plutôt bof. C'est assez bof. Il y a l'Espagne avec notre ami Hachi. Quand je dis notre ami, c'est entre guillemets. Hein. El Cabalante qui passe toujours. Donc on sait comme ça de quel côté la propague. Mais mis à part ce côté-ci, ben c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Et du coup, je suis aussitôt redescendu là, sur les 40 canaux, sur le 19. Et puis là, voilà, c'est parti avec toi. Ok, Philippe, les 73-51 de Dandy 33. Voilà, actuellement en mobile sur Mérignac, à côté de Bordeaux. Je suis en plein dans les QRM, mais il faut vraiment que là que je me sorte de là. Puis en plus là je suis rentré en plein dans une zone de chantier. Donc c'est détour, contour, retour, contour de con et tout ce qui s'ensuit. Il y a longtemps que j'étais pas passé par là. Donc les 73-51, la station voilà, de la part de Dandy 33. Voilà. Et là au niveau du push, là je suis avec le Lincoln 2+. La propague fait le yo-yo. Bon, je sais pas, je pense que tu as dû reprendre le micro, mais là, c'est assez compliqué, là, de mon côté. Hein. J'ai énormément de QRM et je suis en train de chercher ma route. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, voilà. Là, j'ai énormément de QRM. C'est tout le secteur Mérignac, c'est l'horreur, là, pour ça, quoi. Bon, ça passe plus de mon côté, donc si tu m'entends, toi, de ton côté, comme dirait l'autre, c'est dans la boîte. Donc ce soir, j'aurai un montage vidéo à faire. Oui, cambio. Ah oui, ça passe fort, là, le cambio. Ça passe très fort, là, de mon côté, là, sur le sud-ouest de France, sur Bordeaux-Mérignac. Allez, j'ai entendu quelqu'un très très QRP derrière, les 73-51, la station de la part de Dandy 33. Mais hélas, tu es complètement noyé là dans les QRM là, de Mérignac, là, à côté de Bordeaux.
Roger, bip, multi-bip. Ah, la station est à Roger, bip, multi-bip, ça fonctionne en tout cas. Bon, ben, si t'es pas loin, moi je suis à côté là, de Carrefour au Mérignac. Oui, allô, allô, la S73-51 de Dindé 33, voilà, sur Bordeaux-Mérignac. Qu'est-ce que je fais? Oui, la station, voilà, je suis en plus là, je suis en plein sur le parking là, de Carrefour-Mérignac, la S73-51 de Dindé 33. Bon, ben, pour faire de la simi, je suis pas sûr d'être au bon endroit, en tout cas. Elle chie trois coups. Le Roger Bip et Multibip qu'il y a eu tout à l'heure, est-ce que tu es toujours de ce côté-ci? Station avec le Roger Bip Multibip, les 73-51 de Dindé 33 là sur Carrefour Mérignac. Oui, la station. Zut. Oui, la station est sur 1351 de Dindé 33, va sur Bordeaux-Mérignac. Centre de Rome. Ok, les 73-51 de Dindé 33, actuellement en mobile, en voiture, sur Bordeaux-Mérignac, sud-ouest France. Je suis en train de rouler, j'ai énormément de mal à vous sortir, c'est très compliqué de mon côté. Beaucoup de QRM, beaucoup de parasites là ici sur le secteur où je suis,
c'est vraiment pas évident pour vous entendre. Mais bon, je vous ai quand même entendu. Il n'y a pas de problème. En plus de ça, je suis pas loin d'arriver à mon rendez-vous à Chy. Les 73-51 à vous, bon contact. Bon, je vais me mettre où, moi. Je suis trop en avance. J'ai fait tout droit. Pas sûr que ça m'ait réussi. Ah, c'est pas évident avec ces QRM. Ils sont pas bien épais, hein. Mais c'est suffisant. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi en mobile sur le sud-ouest France, Bordeaux-Mérignac. Mais c'est pas la peine. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel et qui propose un QSY sur le 27 525. 27 525.
CQ CQ CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest France QTH Mérignac en plein AQRM HI 3 coups. Bon, ben, si toutefois quelqu'un a répondu, j'ai un QRM de 4 là de mon côté. Désolé, mais ça passe pas au-dessus. CQ CQ CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest France QTH Mérignac. Bon, ben vivement tout à l'heure que je me sorte d'ici. Hein. Attention, station fréquence pour Dandy 33 qui lance appel en mobile depuis Mérignac. Pas sûr que j'ai autant de chance là. 17h05, et hey, quoique. Attention, Yankee 33 pour Dundee 33 qui t'appelle. Non, c'est pas gagné. Attention de nounours, attention de nounours pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention Barracuda 56, Barracuda 56 pour Dundee. C'est pas Barracuda que c'est Drakkar. Attention Drakkar pour Dundee 33 qui t'appelle. Bon, d'accord. Ah. Bon, là, je suis toujours à Mérignac. Ça a bien baissé, là. Quoique... Ah, voilà. Ok, si, la propague est là. Ah, le poste est froid, là. CQ CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde, Mérignac.
CQDX, appel de 14 km 3301, tel chopper. Appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, la rocade de Bordeaux. Bon, ça c'est fait. Eh bien, c'est Daniel. Break. Oui, break, 73, bonjour. Les 73 de 14 km, 3301 en mobile dans les bouchons sur la rocade de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, sud-ouest de l'Europe. Oui, bonjour. Non mais c'est pas vrai. Ah si, les 60, tu as les 73 de Rémi, 14 km, 3301, voilà, Dandy 33. Oh non, lève-moi ça Rémi, lève-moi ça. Mais je suis un Pascal Rémi, hein. Voilà, je suis un Pascal. Je me suis mis en petite puissance là, puisque je rentre dans ces aujourd'hui, ok. Voilà, monsieur, sur ces jeudis-là, tu as venu là, tu débarques ou tu vas embaucher? Ouais, je te l'ai enlevé. H3 coups, c'était pour rigoler. Je sors de recyclage EPI. D'accord, ok. Bon, mais écoute, voilà. Mais là, je me rends là, sur ces jeudis-là, pour faire un club. Et après, on se fait une petite sauterie sur la rive droite, là-bas. Ok, tu parles de sauterie, t'as tout à l'heure, qu'on est sorti dehors, les 73 à la station qui est avec toi, que je n'entends pas, hélas, dommage, tu parles de sauterie, tu me fais de suite penser tout à l'heure, là, on a vu une YL, là, qui est venue discuter avec nous dehors, là, qu'on a testé les extincteurs, la nana, pantalon fendu des deux côtés jusqu'en haut. Je peux te dire qu'il y aurait eu un coup de vent. Oh, la sauterie, elle était bien là, quoi. Oui, je suis tombé qui m'attend de Paris. Bonjour, 14-01. Je repasse le micro, donc 14-02. J'ai 14-01 avec moi, voilà. Les canaux banalisés. Et c'est pour que j'affectionne les canaux banalisés si on veut remettre du monde à la vie. Voilà, donc je suis très content de t'entendre. La chambre d'écho, c'est une catastrophe. Voilà. Ça m'a bien péri, les frères qui étaient avec moi et la débris aussi. Donc, effet réussi. Je t'en passe le micro, Rémi. Chie trois coups. Si ça passe, tout compte fait, j'ai compris où était le problème. Si je t'entendais pas, c'est parce que tu n'avais pas pris le micro. Je pense que là je suis bon là pour arriver à passer la licence radio amateur. Déjà, j'ai compris ça. Je pense que là c'est bon, je peux arriver à la passer. Ah si, trois coups. Les 73 retournés, comment tu vas? Je vais bien, super content de t'entendre. C'est à la fois une bonne et une agréable surprise. Donc tu vois que de temps en temps on est sur les canaux banalisés, puis qu'on s'amuse, on est une équipe de copains. Et on est déjà une douzaine, voilà, à fréquenter le lieu avec plaisir. Thank you.
justement, eh bien, ben moi je replonge, j'ouvre le cahier de son enfant, voilà, voilà, je ne sais pas quoi faire, donc je réouvre les cahiers et puis ça me permet de revoir tout ça. Voilà, donc j'ai un petit peu d'ordre. Je te parlerai de quelque chose que Rémi m'a parlé en message privé. On voit ça tout à l'heure à la maison. Ouais, je suis toujours là. Oui, Daniel, ah oui, tu parles d'un certain article. Ok, vous en discuterez entre vous, il n'y a pas de problème. Là, je suis du côté nord de Bordeaux. Là, je m'en vais en direction, je sors de Mérignac. Je m'en vais en direction du lac pour après rentrer sur Sainte-Colombe, après Saint-Émilion, là-bas, limite d'Ordogne. Et nous allons Pompignac. Pompignac. Oui, ok, d'accord. Donc, je vois Daniel qui arrive avec sa sortie complète d'antenne. À bientôt. Ok, t'as vu la voiture Cactus arriver, les 73. À la prochaine. Merci pour le petit contact. Les 73 à l'ensemble du groupe. Merci, tout s'est retourné. Merci aussi d'être du côté des 40 canaux. Ça montre comme ça en même temps que ce que l'on fait en SUP, on peut très bien le faire de ce côté-ci aussi. Allez, les bonnes 73, amusez-vous bien. Bye. Ah oui, mais bon, c'est une certitude. Et plus j'annonce que c'est parti, moins j'annonce que la causette. Parce que chacun se sont précarés, la table aussi dans des coins sur deux. Et en fait, les gens, ils se font contre pas. C'est pas bête, hein. Après, les blaireaux qui sont pieds sur les 40 canaux, ils sont capables de monter sur les autres, hein, pour pas rêver. Ben bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais là, ce qui se fait en SUP, là, comme on le montre là, on peut très bien le faire de ce côté-ci aussi. Il y a, alors, une fois, j'ai quelqu'un du côté de chez moi qui me dit comme ça, moi, si je descends sur les 40 canaux, ça risque de mettre mon poste en panne. Alors, je me suis dit, putain, cette blague. Mais le mec, par contre, il était très sérieux, lui. Hein. C'est, enfin bon, bref, comme quoi, c'est plus une histoire de mentalité qu'autre chose qu'il faut rectifier derrière. Mais petit à petit, on va y arriver à montrer que bah, il n'y a rien à craindre hein, du côté des 40 canaux, au contraire, et puis il y a de la place pour tout le monde. Ah oui, c'est clair. Je vais faire un petit peu. Je suis en train de passer d'un nuage de QRM au secours. Là, pour le coup, j'étais un peu perdu. Puis en plus, t'as du monde là qui est en train d'arriver. Je vais vous laisser entre vous. Merci pour le petit contact. Les 73 à vous. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Ok, Denis, je reprends. Oui, Daniel. Oui, ben, c'est pour ça qu'on valorise aussi un petit peu les 40 canaux. Bon, écoute, moi là, je savais aujourd'hui là, que je serais là-dessus puisque je vais faire une clé et puis après on part en covoiturage. Donc voilà, t'avais pas trop de soucis à venir nous trouver. Voilà, ok, ben, écoute, je vais te souhaiter aussi une bonne continuation, bonne route à toi, Rémi. Donc là, c'est en radio amateur 01 que je te parle. C'est dans le kilomètre, t'as compris. Donc, 150, si j'avais été sur l'autre, ça aurait été en kilomètre. Allez, 113 pour la fin du groupe, Rémi, merci. Et je vois avec Pascal pour ce qu'on avait parlé. Ok, ça marche. Toi, par contre, tu passes mieux. Là, je t'entends de suite mieux. Hein. Tout à l'heure, l'autre Owen, dont il m'excusera d'avoir perdu le prénom. Mais bon, tu me connais, Daniel, côté mémoire, il y a mieux que moi, hein, de ce côté-là. Hachis trois coups. Quand tu prends le micro, ça passe plus fort, déjà. Ok, allez, je vous laisse. Les 73, amusez-vous bien. À plus. Ok,
Ok, merci pour ça. Et je suis là juste avec la puissance du poste. Uniquement la puissance du poste, Rémi. Voilà, justement, puisqu'on est en proximité de la donc j'avais coupé la puissance. Hein. Voilà, bisous mon grand, moi ça vient, et puis bon retour. Ok, c'est du Santiago 5. Ah zut, j'ai aucune indication de mon côté. Je pense que je dois pas être très loin de la clinique Jean Villard. Entre Mérignac et Jean Villard. Voilà, je suis de ce côté-là. Ok, les 73 bis sur le front, à plus, ainsi qu'à l'ensemble du groupe. Ah. Ok, bye. Alors donc, canal 33, ah, vous voyez, certains disent du mal des radios amateurs, comme des radios amateurs disent du mal des civistes. Hein, c'est ce qui se fait dans un sens se fait dans l'autre et vice-versa. Eh bien, eux sortent du lot. C'est un radio club radio amateur dont ils ont installé une station CBI, enfin 27 mégas. On va plutôt dire ça comme ça. Donc ils ont installé une station 27 mégas directement dans le local radio du Radio Club avec une antenne fabrication OM justement par Daniel avec qui j'étais en train de parler. Et puis les voilà sur les ondes. Comme quoi les ondes sont aveugles. Il n'y a pas de différence à faire, de différence sociale ou quoi que ce soit. D'autres à faire sous les ondes. On est tous égaux. Et voilà. Ah, c'est Papette là. Non, c'est pas français. Alors, ouais, 2785. Attention, Yankee 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention, la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Vu l'heure, c'est pas gagné. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant là-dessus ou il n'y a que les morts pour répondre? Ah, je suis trois coups. Faut que je revoie un petit peu ce que ça donne, le réglage de l'écho. De toute façon, je peux pas le baisser plus, sinon carrément l'enlever. Faut que je refasse des essais chez moi. Ah oui, pour la petite anecdote. Dans les vidéos, quand on entend de l'écho derrière, eh ben c'est que je l'ai rajouté depuis le logiciel lui-même. Parce que je n'ai pas enclenché, j'enclenche jamais le retour son directement dans le haut-parleur extérieur. Je trouve que ça fait bizarre dans j'ai testé une fois comme ça pour voir, et dans les vidéos ça fait bizarre. C'est ma voix plus la voix du haut-parleur, ça fait un petit peu pas top. Alors donc c'est pour ça que directement sur le logiciel Videopad, voilà le nom du logiciel, Videopad. Je rajoute un petit effet d'écho derrière pour arrondir. Arrondir, mettre un petit peu de relief. C'est le petit plus amélioré comme quand quelqu'un va préparer un bon plat. Quoi. fallait que je dise une connerie, là c'est fait. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Alors côté circulation, c'est chargé, mais ça roule, donc c'est tout cuir. Il y a quelque chose derrière, mais bon. À peine audible.
c'est pas grave, le principal c'est que les messages soient passés. Bon, la propague. Ah ben non, j'ai entendu les Italiens, donc elle est là, mais bon. C'est les EN qui sont pas là. Ah, j'ai même semblé entendre quelqu'un, les 73-51 à la station depuis d'Andy 33 sur Bordeaux. Bon, ben c'est pas speed de mon côté. Attention, Dolu 33 pour Dundee 33 qui t'appelle. Il y a quelqu'un qui répond. Allez, merci, ça me l'entend quelqu'un répondre, mais c'est beaucoup de trucs URP de mon côté. Hein, c'est complètement noyé dans QRM là, ici, là sur la. Je suis sur l'échangeur entre le pont d'Aquitaine et la rocade rive droite. Ah, il y a quelqu'un là. Mais bon. Pourtant j'ai du temps là, c'est bouché à la bloc. Merde. Oups, désolé pour le gros mot. C'est que les X, appel de 14 km, 3301 Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, Bordeaux. Oh oh. C'est où? Vous avez vu, ça a bien moustaché. Ah d'accord. Bon, ok, ils sont en QSO, c'est pas grave. Je vais les laisser tranquilles. Je relancerai un appel sur la fréquence des kilomètres plus tard. Faut se voir être un petit peu humain quand même. Ah. À 17h42. C'est étonnant que j'ai personne. Attention, Yankee 33 pour Dundee 33 qui t'appelle. J'imagine que vous avez remarqué que bien souvent je dis deux fois le QRZ de la personne. Alors je fais ça pour le premier coup interpeller et le deuxième coup confirmer que c'est bien cette personne-là que j'appelle. Voilà pourquoi je fais ça comme ça. Alors ce matin j'ai eu quelqu'un dans les environs, voilà, sortie 5. Lui il est du côté de la sortie 6 en extérieur. Voyons un petit peu si j'ai de la chance. Attention, les stations fréquences, c'est pour Dundee 33 qui lance appel du PNSL 89 au niveau de la sortie 5 en direction de la sortie 6. Voilà,
Attention, la station que j'ai eue ce matin en fréquence là, pour Dainty 33 qui est dans les environs de la sortie 6. Ah, je suis étonné, j'ai presque pas de QRM. Non, c'est mon poste qui déconne. Attention, la station que j'ai eue ce matin en fréquence là, du côté de la sortie 6 pour Dainty 33 qui t'appelle. Eh ben non, je suis pas un chanceux. Ah. Alors c'est pas lui, c'est beaucoup trop QRP. Là. Cette impression de vide en général. Ah ouais, j'ai entendu quelqu'un appeler les 73-51 la station de la part de Dainty 33 depuis un national 89 sur le département de la Gironde, sud-ouest France. Eh bien c'est pas grave. Ouais, donc je vais partir à dire, cette impression de vide comme ça sur le 19, ben c'est que ben les gens ils restent en écoute. Les gens ils restent en écoute derrière, tout simplement. Eux par contre ils prennent le micro. Ils prennent vraiment le micro. CQ DX, appel de 14 kilomètres, 3301 opérateur Rémi qui lance appel sur la fréquence moniteur des kilomètres depuis le sud-ouest de France entre Bordeaux et Libourne. CQ DX. Appel de 14 kilobytes, 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, entre Bordeaux et Libourne. Des fois, quand on va à la pêche, ça ne mord pas. CQDX, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde. CQDX, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi, qui lance appel. Attention, Barracuda 56, Barracuda 56, est-ce que tu es sur la région? Il aurait répondu. Fréquence, j'ai des amis du Québec qui viennent dessus. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel et qui propose un QSY sur le 27-625. 27-625. CQ,
CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, QTH Libourne. C'est pas français, italien ou espagnol. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 33-01, qui lance appel et qui propose un QSY sur le 27-625. 27-625. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémy, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, QTH Libourne. Eh bien, c'est pas grave. Ah, il va sembler entendre quelque chose, mais trop QRP. Bien souvent, sur la fréquence d'appel comme ça, DX, qui est à l'origine quand même la fréquence des Alpha Tango, qui sont victimes de leur succès, H3Q. Donc, quand on appelle dessus comme ça, quand la propague n'est pas là, eh bien, les EN n'aiment pas trop répondre aux stations locales. C'est pas grave. Ça me donne deux fois plus envie de retourner du côté des 40 canaux. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémy, qui lance appel sur la fréquence monitor des kilomètres depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, QTH Libourne. Eh bien, tant pis. J'attends d'être rendu sur le pont. Ouais. Les ponts, c'est généralement métallique, plus la flotte en dessous. Ça le fait bien, là. Les 73-51, les stations en fréquence de la part de Dindy 33, depuis la rocade de Libourne. Bon, ok, il est en béton. Et c'est du béton armé, donc il y a de la ferraille dedans. On peut chipoter quand même. Ah, oui, le Roger Bip, les 73-51 de Dindy 33 depuis Libourne. Eh bien, c'est pas grave. Ah, c'est pas épais. On sent qu'il y a quand même du monde derrière, mais bon, c'est pas violent. Je suis sûr qu'ailleurs, ça doit passer plus fort que ça. Et c'est pas parce que, par exemple, de mon côté, je vais entendre du monde ou entendre personne, qu'ailleurs c'est pareil.
Là, je dis ça par rapport aux éventuels nouveaux qui découvriraient la radio. Quand la propague est là, elle n'est pas la même pour tout le monde. Ouais, Sud-Ouest de France. Même les stations locales passent petit. Je fais un petit test comme ça pour voir. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non, non, il n'y a pas de problème. Alors je teste un peu comme ça pour voir si des fois... Il n'y aurait pas un petit relais qui resterait collé, toi, des conneries comme ça. Essaye, non. Ah tiens, en même temps, j'en profite pour regarder le dos. 1-1-1. Ouais, enfin bon, ouais, ben c'est nickel ça. Ça, c'est du réglage d'antenne. Alors, ceux qui connaissent, ils savent que là, j'ai fait une bêtise. Jamais on règle le TOS en BLU. On le fait toujours. On le fait toujours en FM ou en AM. Six, four, five. 645. Ouais, je crois que c'est ça. 140, je pourrais lui répondre. Mais je parle pas la langue. Donc ça serait une réponse pour rien, quoi. Ça serait pas une expédition, ça, des fois. Oh, il est rapide dans les contacts. C'est une expédition, ça. Ou activation. Ah, j'ai cru comprendre qu'on teste. Ah, il y en a pas mal comme ça à faire des contests. Hein. C'est des défis à relever, hein. J'ai trop de chat hein, pour participer à ça. Ah, pas l'air très doué au volant, j'ai préféré laisser passer. Ouais.